بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله الطاهرين أما بعد اللهم اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. Comme vous le savez, c'est pas la première fois dans ma chaîne que je vous montre des trucs de fou qui se passent à l'aune de la fin des temps, qui sont aussi des signes de la fin des temps. Le prophète ﷺ avait dit dans un hadith que vers la fin des temps, des gens vont se réveiller, transformer, muter comportementalement en singe et en cochon après avoir passé la nuit à écouter de la musique et boire de l'alcool. Et de plus, le musulman, de surcroît lorsqu'il s'agit d'un lecteur de Coran, a un comportement à montrer en public. D'accord, après le privé c'est entre lui et Allah Azzawajal, mais tu peux pas te permettre comme ça en public de prendre le micro et de danser comme danserait une femme en public. Fais-le dans ta chambre tout seul dans la pénombre et c'est entre toi et Allah Azzawajal si vraiment tu en as envie. Donc on va décrypter cette courte vidéo. Donc ça crée de la colère en Égypte. Les gens ne comprennent pas comment un lecteur de Coran très connu puisse danser et chanter dans un mariage. Bismillah. Je vous invite déjà à mettre un j'aime à la vidéo comme d'habitude, comme vous le faites d'habitude, partagez la vidéo et vous abonnez à la vidéo si vous êtes abonné à la chaîne si c'est pas encore fait. Bismillah. Donc je vais enlever la musique là maintenant, je vais réduire du moins au maximum. Donc lui, il s'agit d'un lecteur de Coran très connu, apparemment en Égypte, il s'appelle Memdouh Amir, pas personnellement je ne le connais pas, et qui donc assiste en fait au mariage de son frère. Donc la famille du lecteur a expliqué qu'en fait c'est une vidéo qui a été prise lors du mariage de son frère. Et ça aussi il faut qu'on en parle parce que c'est vraiment un problème. Des fois ben, il y a des mariages qui sont censés rester on va dire privés dans l'enceinte de la famille. Des fois ben, par exemple dans les mariages eh ben, il y a des mariages entre femmes. Et puis il y a des femmes qui ne ben, qui portent pas de voile parce que quand c'est entre femmes elles ont le droit. Mais le problème c'est que vous avez des femmes qui viennent avec leur portable, qui prennent des photos, qui gardent ça dans l'ordinateur. Les photos ben, elles se baladent un peu à droite et à gauche, ou peut-être des personnes qui ne sont pas des mahrams peuvent voir ces photos-là. Ou des fois, c'est des vidéos qui vont carrément se perdre dans Facebook, sur YouTube, se retrouver sur YouTube et Facebook. Et vous avez peut-être une épouse qui est une personne qui, dans la vie de tous les jours, eh ben, est multazima, est accrochée à sa religion, elle porte le hijab, ainsi de suite, et elle se retrouve comme ça dans une vidéo, les cheveux au vent. Avec en plus le maquillage et le kaftan et j'en passe. Donc le sorte de syndicat donc d'électeurs du Coran en Égypte. Vous voyez que c'est pas le premier scandale qu'il y a avec l'électeur du Coran en Égypte, c'est vraiment une tare apparemment. Donc à chaque fois il dénonce avec force cette vidéo qu'on retrouve dans les réseaux sociaux qui appartient au collecteur Memdouh Amir qui est en train de danser et il disait Tamayil, donc il se penche hein, comme le ferait une femme et il chante comme le ferait donc il dit un chanteur dans les concerts dans le Maharajanet, je sais pas quel nom donner, une sorte de petit concert comme ça. Toc, 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 toc. Il dit, c'est le premier. Donc il devrait respecter le Coran et être un exemple. Et un bon exemple parmi les gens du Coran. Mais il dit, malheureusement, il n'a pas fait ceci et il est descendu à un niveau très bas qui ne convient pas aux gens du Coran. Donc, je ne sais pas, ils vont se pencher sur la question.
J'espère en tout cas qu'il sera rayé de la liste des lecteurs du Coran, parce que c'est pas la première fois et voilà, il y a ce réel problème de la. Je sais pas ce qu'ils ont les Arabes avec la musique, d'accord? Donc il y a une différence entre être chez soi, écouter la musique loin du débat halal haram, c'est pas le sujet, et le fait de faire ceci comme ça en public, de voilà, il y a des hommes qui dansent comme ça devant les gens qui se tordent comme le ferait une femme, et ça c'est pas digne en fait de ce qu'on appelle ar-rujula, d'accord? Le fait d'être un Rajel. Donc apparemment, ils vont prendre une mesure concernant punitive, concernant Memdouh. Ça, on l'a déjà lu là. Donc lui, pour s'excuser, pour expliquer ce qu'il a fait, il a dit c'était pour Durand, donc il était content, heureux. D'accord, ça s'est fait comme ça de manière automatique, sans calcul. D'accord? Mais ça n'a duré que quelques secondes. Mais quelques secondes, quand tu fais ça en public, c'est suffisant, sachant que la vidéo peut se propager. Là, ils vont sauter sur l'occasion pour filmer et propager ceci. Parce qu'apparemment, quand elle a chanté, elle a attiré tous les gens ont commencé à applaudir. Ça leur a plu. Qui remplit le rôle de chanteur. Sallallahu alayhi wa sallam. Donc il y a vraiment les gens ils ont du mal à rester stable sur la religion, d'accord, sans faire des trucs comme ça. Donc à un moment il faut, si t'es pas capable de remplir le rôle de lecteur de Coran, de shir, de savant, ainsi de suite, c'est pas un problème, ben tu quittes tes fonctions et danses tant que t'en as envie, d'accord. Personne viendra t'en empêcher, d'accord. Mais faut faire attention au hadith du prophète qui dit qu'il y a des personnes qui vont être transmutées. Sur le plan comportemental, ça c'est mon avis en tout cas, l'avis de certains chir, en singe et en cochon, suite au fait qu'ils vont passer la nuit à écouter donc des chanteuses danser, écouter de la musique, ainsi de suite. Donc, loin, concernant le débat de la musique, c'est un autre sujet, on pourra en parler, c'est vraiment, il faudrait une longue, longue vidéo, mais quand c'est ce qui est sûr et certain, c'est qu'il y a unanimité, parce que ça personne ne le dit, sur ceux qui considèrent que la musique est halal. Que la musique, on parle d'amour, on parle de dévergondage, on parle de tout ça. Ça, c'est interdit par unanimité, bien sûr, des savants. En aucun cas, les savants ont dit qu'il était permis de danser sur des musiques de dévergondés. En espérant que cette vidéo vous a plu, c'est le cas, un j'aime, un partage. Et bien sûr, n'hésitez pas à réagir dans les commentaires comme vous le faites. Je vous remercie pour votre écoute. Salam à tous.